Bonjour tout le monde, Crew ADH, Fouedi 134, bienvenue sur la chaîne. Donc là les gars, je vous présente un glitch, donc ça sera à deux, mais il n'y aura pas besoin ni d'oppressor, ni de Deluxo. Ok? On va faire ça avec une voiture de PNJ, tranquillou. Donc il vous faudra quand même un duplex qui soit plein, et vous mettez ou des Fadjo dedans, ou des RH8. D'accord? Bon, pas obligé plein de RH8, mais au moins qu'il soit plein, que vous ayez le message. Complexe plein. Vous mettez 2-3 RH8, c'est parfait. Donc je vous explique. Vous voulez une voiture de PNJ. Il est très facile. No fail. Là, je vais dans complexe plein. J'appuie PS deux fois. Ça veut dire que je vais faire disparaître le rond jaune. Une fois que j'ai fait ça, je vais chercher le message. D'accord, je me mets bien au bord. Vous voyez comment je suis? Voilà, complexe plein. Là, je dis à mon ami, pousse-moi. Donc, qui vous pousse au moins l'espace d'une voiture plus loin que la dalle du complexe. Une fois qu'il vous a poussé, vous lui dites, enfin, il va vous le dire, il va vous dire, ça y est, tu es plus loin que le complexe. Et là, vous allez le valider, ce message. Vous allez l'accepter. Voilà, donc là mon collègue il essaye de me pousser avec une voiture. Bon, prenez quand même pas des cacahuètes ou des motos, hein. Prenez une voiture qui arrive à pousser. Ok, donc là il m'a dit c'est bon, je suis loin du complexe, j'ai validé le message et là je rentre dans le complexe. Donc là, vous voyez, vous n'aurez pas le message comme quoi le complexe il est plein. Et vous aurez juste la demande de switch une fois que vous serez dedans. Et ce switch-là, vous le refusez. Donc vous allez faire rond X. Ne l'acceptez pas. Hein. Ne switchez pas maintenant. Donc maintenant, mon ami dehors, il va me mettre une voiture qu'il va me donner dans le rond à côté du rond jaune. D'accord? À l'entrée du complexe. Il y a un rond jaune. Vous mettez le véhicule à côté. Moi là, je refuse le switch. Rond X. Dès que mon collègue il a préparé le véhicule, il me prévient, il me dit c'est bon. Et là, je vais dans le rond, je fais X et je spamme triangle. Là, vous n'arrêtez pas d'appuyer sur triangle jusqu'à temps que votre véhicule à l'extérieur il soit démarré. Donc, si vous l'entendez pas, vous demandez à votre ami qui vérifie quand c'est que le véhicule il est en route. Dès que le véhicule est démarré, vous allez valider celui-là de message. Donc là, c'est bon. Petite marche arrière. Et je rentre ma duplication. Donc c'est un don de véhicule. Ou alors, vous pouvez dupliquer 7 voitures d'affilée. Donc vous pourrez donner tous les véhicules quasiment, sauf les véhicules spéciaux. Vous risquez de tester des véhicules spéciaux, ça ne marchera pas. Il vous faut faire un glitch avec le camion. Là, une fois que vous rentrez, vous faites un échange avec une RH8 ou un Fadjo. Vous switchez, cette fois vous le switchez, et vous allez perdre votre Fadjo ou votre RH8. D'accord? Elle va disparaître et elle va se mettre avec une duplication. Donc là maintenant, première duplication, elle est faite. Je vais enchaîner. Là, le jeu, il a rendu à mon pote sa voiture. Il va remettre la voiture sur le rond jaune dehors. Dès qu'il est prêt, il me dit c'est bon. Et là, je vais sur mon rond jaune à moi. Je fais X et je spamme triangle. Toujours pareil. Et vous pourrez faire ça en boucle tant que vous avez des véhicules à dupliquer dans ce complexe. Donc après, je vais vous montrer la méthode que moi je pousse. Comme ça, vous verrez bien clairement le glitch. Tout cas, les gars, j'espère que vous allez mettre un petit pouce, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Merci à Roro. Merci à Romain. M'avoir donné un coup de main pour la vidéo. La communauté, les gars. C'est reparti. Hein. En tout cas, ça fait plaisir. Voilà, donc là, mon pote, il m'a dit, j'ai remis le véhicule. Je spamme triangle. Dès que mon véhicule est démarré, normalement, vous l'entendez démarrer. Vous mettez bien le son, vous l'entendez. Vous validez le message, vous l'acceptez. Et là, vous faites marche arrière, marche avant. Deuxième duplication. Donc vous avez vu, c'est une duplication presque par minute. Si vraiment vous enchaînez, vous allez vite remplir vos complexes.
Donc après, je vais vous montrer la méthode pour vider le complexe et remettre des fagots. Donc on va vider le complexe grâce au fagot et au club de motard. C'est beaucoup plus rapide. Et voilà. Donc après, vous pourrez encore enchaîner 7. Acquis. Donc là, il va me demander un switch. Je vais switcher avec un fagot ou une RH8. Là, il rend le véhicule à mon ami en haut. Il va le remettre sur le rond bleu. Sur le rond jaune, pardon. Dès qu'il est sur le rond jaune, X, je spamme triangle jusqu'à temps que le véhicule soit démarré. Là, je spamme. Ou vous entendez le véhicule, ou votre ami vous dit c'est bon, c'est démarré. Nickel, petite marche arrière. Et voilà, troisième duplication. Donc moi je vous conseille des voitures de chez Beniz, les gars. Toutes les voitures qui ont eu une transformation, vous allez les vendre très cher. Celle-là, elle vaut 950 000, même plus. Ne faites pas ça avec n'importe quoi. La Deluxo, vous ne pourrez pas la revendre. Voilà, elle vaut plus de 5 millions, c'est pas vendable. Donc vous le faites qu'une seule fois. Voilà. Donc là, je switch encore avec un Fagio. Maintenant, on va sortir, on va se débugger. Parce que là, je suis bugué. Vous avez vu, je peux enchaîner le glitch tant de fois que je veux. Donc je sors, je vais me suicider. Pour pas être sous la map. Sinon, vous risquez d'être frisé sous la map, à téléporter dans la map. Gros carnage. Pour valider vos véhicules, ne les sortez pas. Vous changez de personnage et vous revenez sur votre personnage. Ça va les sauvegarder, toutes vos duplications. Donc là, vous mettez en club de motards. Je vais enlever les véhicules que j'ai dupliqués de ce complexe. Donc vous, vous le ferez sûrement par 7. Moi, je vais vous le montrer une fois. Donc je fais club de motards. Je demande un Fagio. Donc comme vous êtes en club de motards, Fagio, vous pourrez les demander illimité. C'est pas comme le mécano où vous pourrez demander toutes les 4 minutes. Là, vous allez recevoir le Fagio direct. Boum, vous le mettez dans le complexe. Vous switchez avec une Eligi custom. Comme ça vous fera une place pour dupliquer en plus. Allez les gars, je compte sur vous. Partagez la vidéo si c'est possible à vos potes de GTA, qui est le maximum de gars qui arrivent à donner des véhicules. Hein. Profitez-en, c'est pas tous les jours qu'il y aura ça. Hein. Moi je vous le dis, là on a de la chance qu'ils aient créé encore un nouveau complexe. Parce que les glitches vont se faire de plus en plus rares. Voilà, donc Rockstar ils sont dessus. Le jour où c'est patché, on va être mal. Voilà. En tout cas, gros merci à vous du votre soutien, les gars. Vous me motivez de fou. Et là, voilà. Là, je vais switcher avec un véhicule duplication. Nickel. Et vous ferez ça 7 fois. Donc, vous repartirez avec des Fagio et vous dupliquerez. Vous écraserez des Fagio pour dupliquer. Donc, là, je vais vous montrer l'autre méthode. J'ai mon ami, il m'a invité dans son complexe. Les gars, venez dans le crew. On accepte tout le monde tant que vous assurez. Voilà, crew ADH, Fouedi 134. Vous l'aurez dans la description de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre vos game tags, vos noms de joueurs et votre support de console pour vous faire inviter dans les messages. Rassemblez-vous les gars. Faites-le ce glitch ensemble. Ça vous permet aussi de vous faire des amis un petit peu, d'avoir toujours quelques potes sur le jeu. C'est pas un jeu pour jouer solo. Voilà, c'est un jeu pour être une communauté. Donc vous vous triez. Si vous vous aimez pas, ben vous vous effacez. Voilà, à force, vous allez vous faire une communauté de potes et vous allez vous régaler. Voilà.
Donc là, j'attends que mon ami m'invite à son complexe. Là, lui, il doit aller chercher une voiture de PNJ. Moi, je vais récupérer la voiture que je vais lui donner. Donc, je vais récupérer une Sabre modée. Et lui, il va faire comme moi tout à l'heure avec sa voiture de PNJ. Donc, il va se mettre sur le rond jaune, 2 fois PS. Et après, il va se mettre sur le bord avec le message et je vais le pousser. Allez, c'est parti, lui il est prêt. Là, il va dans son rond jaune, 2 fois PS, il fait disparaître le rond jaune. Ensuite, il va se mettre sur le bord. Ne vous mettez pas trop loin, après c'est galère pour faire écarter le véhicule de la dalle. Et moi là maintenant, il a le message, il me dit vas-y, pousse-moi. Donc je le pousse à l'extérieur de la dalle. Une fois que je l'ai poussé assez loin, je dis c'est OK et lui il va valider le message, il va l'accepter. Là je lui dis OK, il valide et il rentre dans son complexe, il fait comme moi tout à l'heure. Donc là vous aurez les méthodes en extérieur quand vous donnez et quand je donne. Là maintenant je lui mets le véhicule sur son rond jaune, comme ça quand il sort qu'il spamme triangle, il va tomber directement dans le véhicule. Et s'il n'entend pas qu'il est démarré, eh ben je lui dirai c'est bon, tu peux accepter le message. Voilà les potos, à votre service. J'espère que ce petit glitch, il va vous rendre riche. Ce soir, j'espère vous sortir la même méthode, mais en solo. Donc c'est King Alex HD qui a fait ça. Et en fait, il arrive à faire des duplications en solo. Donc je ne sais pas si le complexe il est important parce qu'il se téléporte lui. Et je sais qu'il le fait dans le complexe de tout en haut. Donc c'est une méthode à tester. Et je vous fais ça pour ce soir, j'espère. Voilà, en tout cas ça fait plaisir les gars. Vous voyez là, hop, il fait une petite marche arrière. Un peu plus. Une petite marche arrière, une marche avant. Et le véhicule, il va le rentrer dedans. Elle est à lui. Et voilà. GG. Gros big up à vous les gars. Je vous fais une bise, à bientôt. Ciao. Oh,